Pourquoi la messe est-elle si importante pour la vie de tout catholique? Pourquoi tout catholique vraiment croyant est-il presque obligé d'aller à la messe le dimanche? Le dimanche, le jour de la résurrection du Seigneur, le jour du Seigneur, dies dominica, dimanche. En fait, nous sommes appelés par le Christ à faire partie de son Église, cette assemblée qui est convoquée par le Christ. Et c'est un peu l'invitation que j'ai reçue, et à moi de répondre avec générosité à cette invitation du Christ. Un peu comme les paraboles dans l'Écriture sainte, où le roi invite, mais hélas, les invités ne viennent pas. Nous sommes invités au festin qu'est la messe. Et il y a deux banquets, ou un grand banquet avec deux mets différents, dont la première est la partage de l'Écriture sainte, les lectures, l'Évangile, et ensuite la table avec le pain et le vin qui nous invite à entrer en communion avec le Christ qui est là pour nous. Et cette communion avec le Christ est quelque chose qui nous engage. Nous ne pouvons pas quitter la messe comme si de rien n'était. Hélas, trop souvent la messe pour nous n'est qu'un rituel qui donne de bons sentiments. Non, la messe finit par un envoi. Nous devons rentrer chez nous. Nous devons aller dans le monde avec le message du Christ, pas seulement en parole, mais surtout en acte. Comme le Christ s'est donné pendant la messe, nous aussi nous devons donner notre vie pour notre famille, pour nos collègues de travail, pour nos amis, pour les groupes où nous sommes engagés pour construire un monde un tout petit peu meilleur. La messe n'est pas une obligation morale. La messe est une fidélité de l'amour. Quand Dieu nous appelle, nous sommes là. Parce que je ne peux être chrétien tout seul. Je suis chrétien en Église, avec mes frères, avec mes sœurs, que le Christ a appelés.